3 minutes. Nous allons rentrer tout droit. C'est une question de minutes. C'est une question de minutes. 3 minutes. Et le chiffre 3, c'est le chiffre de la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen. Tout dépend de toi. Ça dépend de comment tu rentres. Il y a des gens qui veulent rentrer dans une maison, ils rentrent par la fenêtre, j'ai un voleur. J'ai un voleur. Faut rentrer par la porte. Alors la porte, c'est maintenant la porte de 2000 portes. Si tu es bien rentré par la porte, la maison va bien t'accueillir. 2020, il y a 12 mois. Amen. Et le chiffre 12, c'est le chiffre de la restauration. Amen. Le 2020, c'est le chiffre de la stabilité. Parce que nous retrouvons le chiffre 4. Alors, nous allons faire quelque chose de très important. Amen. Dieu n'accorde pas une nouvelle année à n'importe qui. Amen. Pour accéder à une nouvelle année, ça veut dire que tu as une grâce de Dieu. Amen. Oui, c'est ça qui est important, c'est une grâce. Parce que le souffle de vie, c'est une grâce. Si Dieu voulait regarder nos gnani gnani, on n'allait pas vivre. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Souvent même tu n'aimes pas quelqu'un. Souvent on fait trop de conneries, mais Dieu nous fait la grâce. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour ça? Nous allons lever simplement la main et nous allons lui dire merci. Merci du fait que il nous a fait voir 2019 et nous fait rentrer en 2020. Merci simplement Dieu. Disons merci. Merci. Je veux voir tout le monde lui dire merci. En une minute. Ne fermez plus les yeux, regardez-moi. Vous êtes inspiré, on ne ferme plus les yeux. Amen. Amen. Oui, c'est une question de suivre les directives. Lève la main. Tu dis porte de 2020. De 2020. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Élève tes lenteaux. Élève tes lenteaux. Porte. Porte. De 2020. De 2020. Ouvre-toi. Toi. Élève tes lenteaux. Élève tes lenteaux. Je rentre à ton sein avec Jésus-Christ, le roi des rois, le roi des rois. Et je te possède, et je te possède. 2020, 2020, je te possède, je te possède. 2020, 2020, je te possède, je te possède. 2020, 2020, je te possède, je te possède. Je déclare, je déclare, je proclame, je proclame, et je déclare, et je déclare. Sera pour moi, sera pour moi, une année de stabilité sur tous les plans, sur tous les plans, sur tous les plans, sur tous les plans, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, stabilité financière, professionnelle, familiale, familiale, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, car il est écrit, car il est écrit, la parole, la parole, est une semence. De la puissance et de la prospérité de mon
mon Dieu, de mon Dieu, que 2020, que 2020 soit pour moi, soit pour moi, une année, où Dieu, me fait marcher, sur les œufs, des ténèbres, bien aimé, marcher les œufs. Peuple de Dieu, amen. Nous avons un petit mot pour notre papa Crasso. Amen. Oui, les femmes de l'église ont souhaité voilà, donner des vœux à notre père spirituel. Amen. Alors, la Bible fait état des figures de femmes étonnantes. Amen. Si on parcourt la Bible, on peut citer quelques-unes. J'ai envie de vous en citer quelques-unes. Amen. On a déjà Ève, qui est la première femme. Amen. Le Seigneur Dieu a dit dans Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Vérité, vérité. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Amen. Ce qu'il a fait dans Genèse 2, 21. 22. Amen. Il a formé une femme de la côte de l'homme. Amen. Et il a amené la femme à l'homme. Amen. Et Ève est devenue la mère des vivants. Amen. Ce qui n'est pas rien. Amen. On a eu Déborah, qui est une femme de force et de discernement, une femme de guerre, dont juge Amen. 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 Sarah. Amen. Vous savez, Sarah qui avait du mal à enfanter. Amen. Et quand l'ange est venu lui dire qu'elle allait enfanter, elle a ri. Elle a fini par enfanter et elle a eu Isaac, l'enfant Amen. Du rire. Amen. Dans Genèse 18, 12 à 17 et 21, versets 1 à 7. On a eu Rahab aussi, la femme de loi. Rahab qui était une païenne, qui ouvre ainsi les portes de Jéricho aux envoyés de Dieu. Amen. Souvenez-vous dans Josué 2. Elle a affirmé sa foi. C'était vraiment une femme de foi et on le voit dans Hébreux 11, 31. Et dans le Nouveau Testament, on a eu Marie, la mère de Jésus. Amen. Ne l'oublions pas. Amen. Marie, celle qui parlait peu et qui est toujours présente et qui a été présente de la naissance de son sa résurrection. Amen. 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 Luc a attiré notre attention dans son livre, Luc 8, pardonnez-moi. Et il a aussi cité d'autres femmes qui ont accompagné Jésus durant l'évangélisation et aussi à sa résurrection. Amen. Marie de Magdala, Amen. Souvenez-vous, Jeanne, la femme de Chuse, Suzanne et plusieurs autres. Amen. Ces femmes, toutes ces femmes ont accompagné Jésus dans le projet de Dieu. Amen. Et ce sont ces femmes qu'on a trouvées auprès à la tombe, souvenez-vous. Amen. Amen. Amen, 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 amen.
On ne sera pas étonné, en fait, dans la Bible, que ce soit encore des femmes hein, qui sont arrivées au tombeau, hein, comme je vous le disais, hein, dans Matthieu 28. Nous, les garçons, on avait fui. Amen. Hein? Ainsi, toutes ces femmes voilà, étaient au cœur du plan de Dieu. Amen. Jésus ne fait pas de distinction, souvenons-nous, entre l'homme et la femme. Quand il dit dans Matthieu 12, verset 50, « Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là met un frère, une sœur, une mère, comme Paul aussi pouvait l'indiquer dans Galates 3, versets 26 à 28. Amen. Vous êtes tous par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni l'homme, la femme, car vous n'êtes qu'un dans le Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors amen. Moi, je veux venir à toi, papa. Toi, papa Crasso, tu ne fais pas de distinction non plus entre l'homme et la femme. Amen. Au nom de Jésus. D'ailleurs, papa, je t'ai toujours entendu dire et à plusieurs reprises qu'une femme peut avoir son ministère et tu nous y encourages vivement. Amen. Amen. Que sans la femme, l'homme n'est rien. Vérité. En effet, la Bible dit dans Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vérité. L'obtient de l'éternel. Amen, amen, amen. Toi, papa, tu as l'amour de ton prochain. Amen. Que je me demande comment on peut ne pas t'aimer. Oh, oh, alléluia. Toi, papa, vérité. Loin amen. De Papa, nous voulons te dire toute notre gratitude par ta présence dans nos vies. Amen. Car tu as changé nos vies par l'évangile. Amen. Toi, papa, nous voulons te dire que quels que soient les moments difficiles, nous serons toujours avec toi, comme ces femmes qui ont été avec Jésus-Christ. Amen. 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 Et je bénis le nom du Seigneur. Amen. Pour moi, c'est un très grand témoignage. Que nous soyons ensemble ce 30e. Ah ben, nous sommes déjà le premier. Nous pouvons déjà acclamer le Seigneur. Amen. Vous savez, ce qui vient de Dieu, personne ne peut détruire. Amen. 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 Retenez ça, mettez ça de vos têtes. Amen. Ça n'empêche que l'ennemi fera tout ce qu'il pourra faire. Ce qui vient de Dieu, personne. Amen. Gamaliel a dit, pendant la persécution, c'est la chose que Dieu te permet pour faire grandir une personne. Amen. Si vous voulez aller loin avec Dieu, il ne faut jamais exclure la persécution de votre quotidien. Amen. Non. Toutes les personnes considèrent la grandeur, ont conduit les moments difficiles et ça les a forgés. Ça les a fait bouger. Amen. Plus tu persécutes une personne, tu peux mettre à cette personne forte. Amen. Amen. Vérité. Parce que l'ennemi qui te persécute sait qui tu es. Amen. 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 Le diable Amen. Sait qui tu es. On ne persécute que celui qui est. Amen. C'est à partir de l'étoile de Jésus que Pharaon a décidé de persécuter le bébé qu'il était. Amen. 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 Vous savez, il y a des gens qui rentrent dans votre vie et qui vous aident à avancer. Qui vous aident, que vous découvrez au fur et à mesure. C'est pour cela que Dieu vous associe à des personnes qui vous aiment du moins nécessaire. Amen. Parce que le véritable amour, là, il y a je t'aime. Hein? À la surface. Et puis il y a je t'aime dans le cœur. Amen. Amen. Je t'aime, là, il y a beaucoup de façons. Il y a plusieurs façons. Il y a des gens, quand il y a problème, et ils s'en vont. Amen. Il y a des gens, tu découvres qu'ils t'aiment vraiment. Amen. Et qui sont là pour toi. Amen. La femme est une aide. Amen. Je dis merci à celle-là. Amen. Qui a décidé de m'accompagner. Je lui ai dit le jour, là, voici. Avant qu'on me persécute, je dis merci d'être entré dans le royaume des persécutés. Je suis un homme qui est persécuté. Parce que je suis déjà averti. Mon travail là, j'ai longtemps, je sais. Voilà, je suis déjà avisé. Je dis merci que tu sois là. Et c'est une femme qui tient. Voilà. Elle est sincère en amour. Et c'est une raison. Quand on marie une femme, ça coule.
vrai, tu as eu raison de porter vraiment ton choix. Vous voyez, au fur et à mesure, vous découvrez que ah, c'est vrai, c'est un bon choix. C'est comme ça la vie. Au fur et à mesure qu'on avance, d'autres disent, ah, j'ai commis l'erreur. Mais c'est comme ça la vie. Souvent, on vient dire, ah, je me suis trompé, ça va, on peut aller divorcer. Ou divorcer. Oui, j'ai eu raison. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là pour vous faire avancer. Et il y a des gens qui viennent vous faire avancer dans votre vie. La plupart du temps, quand vous mariez, la Bible dit, c'est pas une femme, c'est une erreur biblique dans la tradition. La Bible dit que celui qui n'a pas trouvé une femme, c'est une erreur. Hein? Celui qui a trouvé une épouse, c'est différent de femme. Il y a souvent des erreurs que les gens font dans la tradition. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme, c'est une erreur. Celui qui a trouvé une épouse a trouvé le bonheur. Donc l'épouse apporte le bonheur. Une épouse, c'est elle qui a cette capacité de savoir connaître les humeurs de son mari. Parce que nous, les hommes, nous sommes comme des bébés. Effectivement, nous sommes des bébés. Et c'est la vérité. C'est la femme qui gère. Faut pas se tromper en disant non, je suis président de la République. Mon frère, c'est la femme qui est derrière là. C'est elle qui gère tout ça. Amen, 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 amen. 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 Si vous voyez un homme qui est debout, c'est la femme qui gère tout ça. Amen. Vous comprenez? Amen. Voilà. Ce sont qu'on est derrière un homme qui est petit, il y a une grande femme. Ou bien c'est un grand homme, il y a une grande femme. Ah, grand homme. Amen. Ah, non, je vois petit. Oh. Donc c'est les femmes qui sont grandes. Donc la femme, quand on dit la nuit, donne conseil. C'est pas faire rêve où tu rêves puis quelqu'un vient te parler, puis Barbie vient te parler. Non. Les gens pensent que non, la nuit quand on sait le Seigneur vient, une grosse barbe blanche, mon fils, s'il te plaît, pendant que tu ne donneras plus, je vais te parler. Non. Vous savez, les femmes, elles ont cette capacité de lire, d'étudier, de réfléchir. Et elles savent que le monsieur est en train de penser. Elles savent que le monsieur est en. Généralement, quand vous dirigez, quand vous gérez les gens, gérer une personne, gérer des gens, c'est vraiment très difficile. Moi-même, j'ai pitié pour les gens qui gèrent les nations. Parce que nous-mêmes, on en a fait des dieux, mais on a déjà problème avec ça. À plus fort, des gens venaient gérer une nation. Et les pays africains, donc j'imagine. Alors, c'est pas facile. Alors, si vous avez épousé une femme qui ne peut pas, c'est vrai, vous pouvez rencontrer. Vous voyez, faites-nous une rencontre. Vous faites une rencontre, c'est ça qui est spécial, que le Seigneur permet qu'elle reste dans ta vie. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Pour booster ta vie. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous faire avancer. Elle était toujours à mes côtés. Et aujourd'hui, ce premier-là, 2020, c'est un témoignage. Elle m'a toujours soutenu dans les moments les plus difficiles de notre vie. Elle a parlé à mes erreurs, à mes oreilles. Elle dit, je crois en toi. Amen. Et je sais qui tu es. Amen. Ça, c'est plus important. Il y a ce que les gens disent, et puis il y a ce qu'on sait comme témoignage. Et c'est ce qui est vrai. C'est quand tu as un témoignage vivant, les gens, ils peuvent dire tout ce qu'ils ont envie de dire. J'ai un témoignage que chacun a. Et c'est en fonction de ça qu'on croit et qu'on avance dans ça. Alors elle m'a toujours soutenu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Pour moi, c'est un puissant témoignage aujourd'hui. Amen. Je vous dis merci à l'église. Merci à tous ces bien-aimés. Amen. Le Seigneur dit, j'ai été malade, vous m'avez soutenu. Amen. C'est biblique. Au jugement. Il dit, mais quand ce que tu avons vu? Il dit, mais tout à coup, fait ça à l'aide de mes enfants, c'est à moi, vous l'avez fait. Amen. Vous m'avez soutenu dans les moments les plus difficiles. Amen. Le jour où vous traverserez les moments difficiles, que Dieu se souvienne de vous. Amen. Parce que dans la vie, c'est ce qu'un homme sème qui récolte. Amen. Ce que vous avez sémé dans ma vie, que Dieu vous le redonne. Ce que, du moins dans nos vies, que Dieu vous le redonne. Amen. Sanctuaire. Amen. Amen. Vous allez me dire, mais pourquoi on fait dans cette salle? C'est parce que les gens. Ils ont déjà pris notre sac est là-bas. Ouais, ici, là, ça ne nous appartient pas. C'est l'argent. C'est une question d'argent. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on a pu récupérer cette salle pour célébrer. Le dimanche, ils seront là-bas. Le dimanche, on nous a mis pour le hier, aujourd'hui plutôt.
lundi, la personne nous a fait la proposition du premier. On dit non, on n'a jamais fêté le premier. Nous, c'est le 31. Donc, on n'accepte pas cette proposition. Pour vous dire, le dimanche qui arrive, c'est le 5, c'est ça, non? Oui. Alors, donc, dimanche, vous venez tous, ceux qui sont là aujourd'hui, soyez là, ça sera le premier dimanche de l'année. Ça nous permettra aussi de vous consacrer, vous conduire dans la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que ça va, Divo? Ok, vous me recevez bien? La commission aussi, très bien. Ok, voilà, donc on vous présente, ils sont en train de... Le gâteau, qui va manger le gâteau? Et c'est l'anniversaire de qui là-bas? On n'a pas fait les choses à moitié, hein. Ça a été très bien. Allô? Voilà. Voilà le machin. Attrape en bas. Comme si ça tombe. Merci le gâteau. Bon, pour nous, on attend ça pour moi, ça. Amen. Prenez un truc et puis on va enlever pour le prophète. Bon, prophète, voici pour toi. Voici pour le prophète. Apportez quelque chose, je vais goûter ça pour lui. Bien sûr, je représente dignement le prophète. Apportez un truc. Bon, merci, mais ça vient comment? Ça vient. Allez, bon appétit. Amen. Bon, c'est comme ici, ça vient comment? Bon, prophète, voilà comment ça vient. Vous êtes provoqués là, vous mangez les gâteaux. Regarde, vous pouvez montrer mon gâteau ici aussi. En tout cas, donc prophète. Ah, vous avez fini. Ouais. Ah, vous avez fini. Non, si on a mangé pour nous. Hein. Vous ne pouvez pas voir pour nous. On vous envoie pour vous ta WhatsApp. Allez, au nom de l'église, merci aussi pour le soutien. Voilà, sinon, tout va bien ici par la grâce de Dieu. Comme tout le temps, on a le temps de communiquer, j'ai le temps de vous expliquer des choses, partager les témoignages d'ici. Voilà, je tenais à dire merci. Et je vous demande aussi de dire merci à l'église de Paris qui n'a cessé de soutenir cette œuvre. Voilà, de soutenir cette œuvre. Nous ne cessons aussi de prier pour vous. C'est une famille. Amen. Nous ne cessons aussi d'intercéder pour vous. Et au nom de toute cette église-là, nous vous souhaitons bonnes années. Voilà, que l'année apporte à Divo beaucoup de bénédictions. Amen. Amen. Alors, j'ai déjà des témoignages. Nous avons prié pour quelque chose de très important quand j'étais à Zaroko. Maintenant, la voix, ils ont commencé à bitumer la voix de Divo à Iré. Amen. Voilà. J'ai vu ça sur le réseau. La plupart des rues de Divo sont bitumées. Même si les gens pensent que c'est une coïncidence, mais nous avons prié pour ça. Nous avons consacré des nuits en train de consacrer les voies de Divo. Et heureusement que les choses ont commencé par ton village, Grimia, où tu as été consacré. Et le village, voilà, le loi du bois, c'est vous qui détendez la terre de Divo. Et ça, c'est un son de mariage. Alors, l'œuvre de Dieu. Dieu doit être un moyen de développement. Là où Dieu est, les gens doivent se développer. Alors, que Dieu vous bénisse. Ici, nous allons poursuivre le programme. Nous attendons la suite de vos programmes là-bas. Vous continuez ici. Parce que vous n'avez pas mangé le gâteau devant nous. La suite, c'est quoi? Amen. Amen. Je n'ai pas la parole.
Au nom des femmes de l'église de Tivo et celle des Anoukos, vous présentez tous nos voeux à l'église de Paris, au nom de l'église de Paris, merci. Beaucoup de bonheur, de joie. Amen. Nous attendons beaucoup. Et par la même occasion, nous présentons tous nos voeux de bonheur. Amen. À notre femme, chérie, au père Gilles Grasso. Je Dieu le bénisse. Amen. 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 Ce matin, nous souhaitons faire joyeux anniversaire d'abord à notre papa de tous. Donc, je dis à vos papas que Dieu pour le Seigneur, pour assister, pour le Seigneur, pour nous, et vous venez de nous protéger. Malgré tout ce que nous avons vécu, que nous avons donné la vie. Amen. Et que cette nouvelle année est donc faite. Nous avons toujours la paix, la joie et la victoire. Et je viens grand merci à l'église de Paris pour tout le soutien que vous avez apporté à notre papa. Amen. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur, que cette nouvelle année de 2020, que tous les projets se réalisent. Amen. N'essayez jamais de vous assister. Que votre famille que vous avez ici en Côte d'Ivoire, que le Dieu de votre père de façon bénisse vos familles. Amen. Que le Dieu de façon que vous servez votre travail de vie à Paris, que vous de vous bénir pour vous assister. Amen. Et cette nouvelle année, soit la meilleure. Amen. Nous recevons. Amen. Et grand merci à vous. Amen. Tous les soutiens que vous avez.
de pouvoir utiliser ce point pour me donner de l'envie. Parce que je ne pense plus à l'envie. Et aujourd'hui, dans son ambassade, vraiment, je lève ma voix pour Dieu. Je prie pour le Seigneur la porte. De son côté, il y a mort et qu'il a porté pour le bon. Que l'empêche de l'envie. Que soit le bon. Que soit le bon. Que soit le à ses côtés, tout le jour, et que c'est un combat tout le temps pour toi, que ce combat qui nous est là, tout le jour, je l'ai dit maintenant. Mais je vais faire un petit témoin. Si vous n'avez pas de bon, je vous dis pas les bons. La violence que j'ai, c'est un peu pour vous. Si vous avez un petit Soyez bénis. Voilà, je tenais aussi à dire merci au Seigneur. C'est lui, à lui seul la gloire. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur. Heureusement que Dieu n'a pas rappelé à lui l'un d'entre vous. Parce que c'est aussi, ça fait partie aussi de la vie. Naître veut dire mourir. Et toute séparation fait mal. Nous sommes tous encore en vie. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, une année encore de plus, que son nom soit béni. Et tout ce que je demande pour beaucoup de discipline, beaucoup de sérieux dans le travail. Alors, que la grâce soit sur vous et on se verra très bientôt par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, on se verra très bientôt. Pour les enfants, j'ai parlé avec eux, comme on a l'habitude de se parler. Alors, merci pour vos prières. Merci pour la loyauté, la fidélité. Voilà, sinon tout va bien. Voilà, tout va bien. Par la grâce de Dieu. Alors que Dieu bénisse. Voilà. Bon, nous aussi, nous allons continuer le programme ici. Amen. On va essayer de... Alors, soyez bénis, continuez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a non, des témoignages? Alors, nous allons juste prendre trois témoignages. Voilà, témoignages bouclés. Très bientôt, il sera 3 heures du matin. Voilà, juste et passer après aux offrandes. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Matoto patako, luno ayao. Non. Nyamon suyonema, matoto patako, ayao, luno ayao. De Dieu vous procure beaucoup de choses. Amen. Avant de rentrer dans le vif de mon témoignage, j'aimerais dire merci à l'homme de Dieu, le prophète Casso Joël. Amen. Dieu m'a fait grâce de connaître cet homme de Dieu, c'est pas aujourd'hui. Amen. Je l'ai connu en 2013. Amen. Oui. En 2013, mais je ne l'ai pas vu de façon physique. Je l'ai vu par Facebook. Et un jour où il devait sortir de la Côte d'Ivoire pour la première fois, j'ai eu son service de communication au téléphone. Et au moment où j'étais en communication avec son service de communication, lui, il était à côté. Il a entendu la conversation. Il m'a pris directement. Et donc, ce jour, on s'est parlé, on a échangé. Et donc, en 2015, l'année où j'ai perdu mon père, en 2013, bientôt, c'est son anniversaire d'ailleurs, ça fait 8 ans qu'il est parti. Et l'homme de Dieu, j'étais allé le rencontrer à Divo. Au moment où je suis parti, lui, il est venu en France. Oui, j'étais à Boaké, je l'ai vu. J'ai passé, j'ai vu son image sur le Ivoire-Soir. J'ai dit, ah, le prophète à Paris. On m'a appelé, on m'a dit, le prophète à Paris. Il dit, c'est pas grave, je suis déjà là. Et merci, prophète, parce qu'il a fait un boulot de fond. Amen. Son service... Ils m'ont bel et bien reçu. L'homme qui a parlé tout à l'heure, le monsieur, là, je le connais très bien. Amen. Donc, je tiens à vous dire merci.
Vous savez, tout ce que Dieu fait, ce n'est pas par hasard. Il a prêché tout à l'heure. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Dieu, ce n'est pas notre camarade, en fait. Amen. Voilà. Vérité. Dieu, c'est lui qui choisit. Et c'est lui qui provoque les rencontres. Amen. Donc, c'est lui qui a provoqué cette rencontre que je sois sur le chemin de l'homme de Dieu. Amen. Et par cette rencontre, Dieu m'a enlevé de beaucoup de choses. Amen. Et récemment, l'ennemi veut toujours tenter. Le 22 du mois qui vient de passer, je ne devais pas être devant vous. Amen. Peut-être beaucoup s'est rentré et pleurer là. Oui, c'est pas le problème. Je sais de quoi je parle. Amen. Je viens de très loin et il le sait d'ailleurs. Ouais, tout le monde sait. Tout le monde sait. Je viens de loin. Je viens de très, très, très loin. Moi, je sais. Je sais, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je sais que mon père, il le sait. Et moi aussi, je le sais. Donc, je tiens à dire merci à Dieu. Amen. Et merci à tous mes frères et sœurs dans le corps du Christ. Amen. Parce que le corps du Christ, c'est une famille. Amen. Voilà. Quand Jésus était dans la synagogue, il était avec ses frères dans le Seigneur. Il y avait des jeunes, des femmes, des frères qui étaient avec sa mère. On dit, ah Jésus, il y a ta mère, il y a tes frères. Il a dit non. C'est ceux qui font la volonté de mon Père dans le ciel. C'est ceux-là qui sont mes frères. Amen. Donc mes frères, c'est vous. Amen. Voilà, c'est vous. Amen. Je viens de loin. Et Dieu m'a délivré d'une situation chaotique. Il m'a donné la vie et je suis devant vous. Amen. Et moi, c'est Dieu. Que Dieu continue encore d'utiliser l'homme de Dieu et qu'il lui donne la santé. Qu'il nous utilise aussi afin que nous puissions l'accompagner dans la vision. Amen. Parce que ce n'est pas évident de faire l'œuvre de Dieu. Je le dis souvent. Moi, le peu de parcours que j'ai regardé de loin déjà même, c'est difficile. Amen. Mais Dieu soutient son homme, son serviteur. Amen. Et l'homme de Dieu qu'il a mis à ses côtés, et maman Bessera. Amen. Je ne vais pas citer son nom sans dire le nom de sa femme. Amen. C'est impossible. Amen. Voilà, maman, les frères, les sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Avant de continuer le témoignage, nous allons faire une action de grâce. Oui, mais laisse passer le témoignage. Amen. Bonsoir. Bonsoir à tous. Amen. Ça fait très longtemps déjà qu'on s'est pas vu. On était dans le cœur avec vous. C'est Amen. Par rapport à certaines situations qu'on n'a pas pu plus se rapprocher. Par contre, on a eu aussi notre geste. D'accord. Voilà, on a eu notre geste Emmanuel aussi, mais mon message s'adresse beaucoup plus à vous, à papa et à maman. Parce que je me rappelle, je me souviens quand on est venu la première fois, d'abord on vous a connu par le net, on a fait des recherches, parce qu'on n'est pas venu à vous par hasard, on a fait des recherches, on a vu que, voilà, que votre travail, ce que vous faisiez et tout. On s'est dit peut-être que vous allez pouvoir nous aider, donc on s'est rapproché de vous. Mais sachez que vous nous avez délivré de beaucoup de choses, mais vous avez fait plus. Moi je tenais à vous le dire, vous avez fait énormément plus. Ah bon? Oui, parce qu'aujourd'hui, avant c'est vrai on était catholiques et tout, on allait à l'église. On pensait qu'on était sauvés, mais on n'était pas sauvés. Aujourd'hui on est même baptisés par immersion. Amen. Aujourd'hui on va à l'église, notre vie a changé, mais de manière Amen. Extraordinaire. Amen. Je ne sais pas comment, je ne sais pas de quelle façon. Je ne peux pas rentrer dans des détails. Mais même lui, que vous avez délivré, il est baptisé. Amen. Il a été baptisé. Amen. On est resté un moment où c'était un peu difficile de venir par là. Bon, c'est tombé la suite. Vous aussi, vous étiez dans votre... voilà. Nous aussi, de notre côté. Mais... on est arrivé à un moment où il nous fallait une église aussi. Donc on est tombé sur ICC qui était tout juste à côté de là où nous habitons. Nous avons suivi des formations, tout a déclenché par vous, Papa Crasso, par vous. Tu as semé en nous quelque chose et ça ne s'arrête pas. On lit la Bible maintenant, on a une vie de prière bien établie. Maintenant, on y va à fond. Et ça, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par vous. Amen. Et pour ça, je vous remercie. Amen. Je vous remercie du fond Amen. Du cœur. Vous avez beaucoup fait. Amen. Énormément. Amen. Et merci beaucoup à tout le monde aussi. Parce que c'était une église
voilà, c'était une jeune église, il y avait beaucoup de choses à faire. Mais je sais dans mon cœur que ça va revenir. Amen. Et je souhaite à Dieu qu'il t'augmente encore des étoiles. Amen. Des étoiles. Voilà, des étoiles. T'en auras des étoiles et des étoiles. Amen. Ouais, des étoiles. Ouais. Parce que vous avez sauvé des vies, vous avez fait des choses extraordinaires. Amen. Voilà, c'était plus que une délivrance, non. Amen. Non. Vous avez semé quelque chose. Amen. Et qui va pousser, parce que ce que vous avez mis en nous, ça va se propager avec les enfants. Et voilà. C'est beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui, le dernier témoignage, et on va passer à autre chose. Merci. Bonjour, peuple de Dieu. Veuillez m'excuser pour ma foi, parce qu'aujourd'hui, c'est l'accomplissement d'une parole profonde. Papa Crasso et moi, on se connaît dans le spirituel. Parce qu'avant qu'on soit sur cette terre, on est d'abord avant tout spirituel. Amen. Il y a 3 ans, j'avais une maladie qui s'appelait la maladie de Meynière. Donc c'est une maladie, c'est l'oreille interne, le cristal dans l'oreille. Donc quand ça te prend, tu es dans la rue, tu tombes. Dans les pommes. C'est de ta hauteur, tu tombes par terre. Et il y a un moment, mon mari et moi, nous, on est comme il a témoigné tout à l'heure, monsieur, tiens, c'est mon mari. On est beaucoup attaqués. Et le jour où j'ai connu Papa Crasso, j'étais dans mon lit avec mon mari. Et on était en train de prier parce que nos forces nous abandonnaient. C'était en 2013, avant qu'il aille à Divo. On s'est vu, je vais vous dire franchement, mourir. Donc ce jour-là, c'est qui s'est passé? On est allé se coucher comme tous les soirs, on a prié, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Et le matin, on était paralysés physiquement, lui et moi. On ne pouvait plus bouger du lit. Donc on est parents en France. Avec tout ce que ça représente. Donc, nous, on a un système qui est infaillible. Internet en boucle. C'est-à-dire qu'on a mis les vidéos des hommes de Dieu, ça passait. Et puis, un moment où on était couché, on entend papa qui parlait, je ne sais pas de quoi il parlait ce jour-là, mais tout ce qu'on entend, c'est qu'il disait, vous qui êtes là-bas, à l'autre bout du monde, je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas ce que vous faites, mais croyez que Jésus peut vous sauver. Dans une de ses prières ou prédications, il disait ça. Et mon mari, à l'époque, il travaillait de nuit. Donc, quand on fait des études poussées et qu'on arrive à un certain niveau, quand la famille dort, c'est là où on fait les recherches pour être au calme. Dans un moment, bon, moi, je faisais mes affaires. Et puis, à un moment, il me dit, viens, il y a du bon ici, il y a du loup. Il dit, ah, pardon. On les a tous vus. On a fait le tour. On est monté, descendu, fatigué. Il ne faut pas m'énerver, des trucs là. Il m'a dit, viens seulement, viens attendre. Et au moment où on était couché, il disait, je vous donne la vie. Je vous redonne la vie. Bref, il priait et on a senti nos forces qui nous ont retrouvés. Et moi, j'ai dit, ce monsieur-là, d'ici, c'était en 2013, hein, j'ai dit, d'ici pas longtemps, je vais être à côté de lui. Je vais travailler avec lui. Et Amen. Son ministère en France, je serai dedans. Amen. Nous voilà aujourd'hui. Donc Amen. Ça, c'est le premier témoignage. Amen. Et le deuxième témoignage, c'est que Papa Crasso, Maman Bessoura, je veux remercier le Seigneur à travers vous. Amen. Parce que vous avez créé la fondation dans nos vies. C'est-à-dire qu'on persévérait dans le Seigneur, comme le disait le frère. Mais il y a persévéré et puis il y a persévéré. On vous attendait depuis. Comme vous n'étiez pas arrivé, il fallait qu'on soit à l'abri quelque part. On est allé prier dans un endroit en attendant qu'il y ait l'église, tout ça. Bref, on veut vraiment vous remercier. Le 22, ce qui s'est passé, mon mari est tombé en sortant de la douche. C'est très important parce que ça doit édifier des personnes ici. Un homme normal, de carrure normale, pas de soucis de santé, rien. Il va prendre une douche. Qu'est-ce que c'est qu'une douche? C'est le commun des mortels. En sortant de la douche, il y a un couloir en fait qu'il doit traverser pour accéder à la chambre. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en bas de l'immeuble. Et mon mari, on ne sait pas comment. La chambre est ici, admettons. On l'a retrouvée à l'autre bout là-bas, peut-être vers l'entrée. On ne sait pas comment il est arrivé là-bas. Donc il était tombé. Et c'est mon fils aîné qui arrive, qui rentre. Il allait faire ce qu'il allait faire. Et il trouve la personne allongée. Donc comment ils ont été formés aux gestes de secours, c'est très important. Apprenez les gestes de secours, ça peut sauver des vies. Il dit à son petit frère, attends, il y a un monsieur qui est tombé. Je vais voir. Qu'est-ce qu'il a?
Et si ça nous dépasse, on appelle les parents, ils vont prendre le relais. Et quand il arrive, il trouve son père allongé. Donc imaginez un enfant de 21 ans qui arrive, tu trouves son père inerte, allongé. Donc c'est qu'il a fait, d'accord. C'est qu'il a fait. C'est qu'il a fait. Il a envoyé son deuxième frère, dit, va chercher maman, il y a urgence vitale. Donc quand son frère est venu, quand il a dit, le monsieur qui y a, monsieur qui est tombé, c'est papa. Donc j'ai couru, je suis partie, mon mari était mort. C'est-à-dire qu'il respirait tout doucement, mais il était inconscient. Donc ce que j'ai fait, j'ai pratiqué les gestes. Je vous assure, pratiquer des gestes sur autrui, c'est facile, c'est simple. Mais quand c'est pour toi-même, je ne sais pas quelle force Dieu m'a donnée ce jour-là. Mais tout ce que je vais dire, c'est qu'il a eu un traumatisme très, très, très grave au cerveau. Par rapport à la chute qu'il a eue, normalement, il devait être dans le coma ou mourir, selon ce que les médecins disaient. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été rapide dans la chaîne de secours. Et c'est ça qui lui a sauvé la vie. Et Dieu aussi a permis, parce que normalement, ce jour-là, je devais travailler. Donc, je devais arriver tard. Parce que la veille, j'ai une collègue qui était décédée au travail. Donc, on devait s'organiser pour faire les services d'urgence et tout, pour qu'il puisse aller enterrer la collègue et tout. Donc, je remercie le Seigneur parce qu'il est vivant. Il est pas mort. Mais il était mort, je vous assure. Tous ceux qui l'ont vu à l'hôpital et qui le voient là, c'est un miraculé. Je remercie le Seigneur. Je remercie maman. Je remercie papa. Amen. Continuez de semer ce que vous semez. Parce que ça va finir par payer. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Très, très fort. Très, 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 très fort. Depuis dimanche. Amen. Non, vous avez une croix de mariage. Moi, je vais faire un dimanche. On a dit aujourd'hui. Dimanche, on lui avait dit aujourd'hui. Qui a dit ça? On est un chant déjà, on est un Abasia, Abasia, Oye, Ikunyo, Seyo, Zegagbanyola, Ye, Ikunyo, Mile, Mamo, Ibe, Yo, Kukule, Ketama, Kabinyanyi, Obipi, Lako,